c'est par une belle nuit étoilée que le Père Noël, ayant fait le plein de cadeaux dans son traîneau, prit la route pour faire sa grande distribution. Il ne le sait pas encore, mais cette année, il va rencontrer de bien étranges personnages. Geppetto réfléchit un instant, puis pose l'une de ses mains sur la boîte. Tout à coup, un petit garçon au long nez se retrouve à ses côtés. Geppetto est tout étonné. Mais t'es qui, toi ? Tu me reconnais pas, papa ? Geppetto semble trouver une ressemblance avec le petit pantin qu'il avait fabriqué. Il se retourne, le petit pantin n'est plus à sa place. Pinocchio, mon petit pantin, il a disparu. Mais je suis là, papa. Papa ? Oui, c'est moi, Pinocchio. Pinocchio ? Mais c'est pas possible. Si, c'est bien comme ça que tu m'appelais, Pinocchio. Le traîneau file à toute allure. Lorsque, ébloui par l'étoile du berger, il se renverse. Et le pauvre Père Noël se retrouve le nez dans la neige, au milieu des cadeaux éparpillés. Mes pauvres petits. On a bien rencontré une vieille dame, mais elle n'a pas vu notre papa non plus. Moi, elle m'a fait trop peur cette vieille dame. Ma petite sœur, elle a cru que c'était une vilaine sorcière. Une sorcière ? Oui, elle était habillée d'un grand manteau noir avec une grande capuche. Vous êtes le Père Noël ? Oui, regarde, j'ai des cadeaux plein mon traîneau. Ah bah oui, c'est ce que je vois. Oui, et aujourd'hui, je fais ma distribution de cadeaux pour tous les enfants sages qui m'ont passé commande. Ah bah si j'avais su, je vous aurais passé une commande moi aussi, parce que j'ai été sage tout au long de l'année. Pour vous. Ah bon ? Un cadeau pour le Père Noël ? Je te dis joyeux Noël, tu me dis joyeux Noël, on se dit joyeux Noël et aussi bonne année. À toute la famille, on dit joyeux Noël et nos voeux pour que brille la nouvelle année. Quel beau cadeau que vous me faites là ! C'est un Noël que je n'oublierai jamais. Joyeux Noël à tous.